Tac. Voilà, ça y est, on nous entend, on arrive pour caster. La game 5, littéralement juste une stock de tout le match, en fait, tout simplement, avec Aubergine qui propose une belle perf dans ce potentiel upset. On rappelle, lui a seed numéro 4 contre Aubergine, seed numéro genre 7, un truc comme ça. Oh, qui va trouver le neutral air ici, voilà, qui amène Anua tout de même en game 5, même si on est un petit peu en difficulté ici sur Yoshistory. On ne va pas roll dans ce up smash. Elle lui a, hein, qui sait qu'elle peut se le permettre, elle prend seulement 8%. Le risk reward était tout simplement en sa faveur. Ah, ouais, c'est le backer du coup d'Alua, hein. Malheureusement, on laisse le center stage. Scalé Aubergine va réussir à en profiter peut-être avec le down smash qui va infliger des dizaines de pourcents. Les gardes, malheureusement, ne va pas être réalisé. Attention, EB extrêmement dangereux de Fox. Ça a l'air facile à être garde. Mais... Oh non, pied vers l'arrière. On vient de se prendre ce up smash. Sour spot. On s'était pris en arrière et derrière. On le prend de plein fouet. On l'avait pourtant fait whiffer, mais l'attente de Alua qui lui a permis tout simplement de récupérer cette option 1. Bah, très bien joué de la part de Alua qui arrive à conclure sur cette game 5. Très bien joué. Hein. Et ouais, très bien joué. Hein. Le up smash de Fox, ça fait tellement mal devant, hein, que ce soit sur ultimate, que ce soit sur melee. On se dit, bon, bah, j'ai juste à me mettre derrière. Non, maintenant les pieds ils vont jusque-là. Ils vont jusqu'au bout. Là, c'était vraiment la Ronaldinho Soxer, comme vous l'avez bien sûr sur GameCube et moult, bien sûr, jeux vidéo gaming de qualité. Mais en tout cas, très belle performance de la part d'Alua qui arrive tout simplement à se dépêtrer du challenger qui est notre cher ami Aubergine. Qui s'est bien battu, encore une fois, voilà, qui se sera bien battu, qui nous aura proposé une game 5. Tout de même, Aubergine, à la base, joueur d'Ultimate, on le rappelle, qui s'est complètement converti à mêlée. Ah, il s'est converti, franchement, s'il y avait une église de mêlée, il y est complètement dedans. Il est allé voir le. Voilà, il a fait sa confession. Ouais, voilà, il s'est déplacé à l'arc à mêlée. Voilà, on a fait le petit pèlerinage à Nantes. Petit pèlerinage des 12, bien sûr. Déjà, c'était où l'arc à mêlée déjà? Ah, c'était à Lyon. Ouais, c'est pareil, Nantes-Lyon, c'est même coin. Ah bien, bah, peut-être. Hein. S'il nous sponsor, non, ça ne deviendra pas un sponsor. Voilà quoi, tu m'as compris. Hein, bref, et là, juste derrière nous, là, juste ici, vous pouvez voir Jack Gravna et Yata. Oh, j'ai coupé l'enregistrement, on va passer au suivant.